regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Septième jour, la communion. Marie nous est présentée au Cénacle alors qu'elle préside dans l'amour à la prière, pleine d'espérance des apôtres et des disciples. Marie est là, dans les débuts missionnaires de l'Église, comme elle le fut dans les débuts de l'activité missionnaire de son Fils. Il nous est bon de penser que Marie, la mère de Jésus, appartient à cette communauté de disciples fidèles qui écoutent avec docilité la parole des apôtres. La communion exige la rencontre dans une entière fidélité à la parole de Dieu. Tout le mystère de Marie est un mystère de communion entre le ciel et la terre, Dieu et l'homme, la contemplation et le service. La fidélité de Marie rend possible la communion, vécue comme un mode concret de fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. La Vierge, comblée de grâce, a été pure disponibilité à ta parole. Par son intercession, donne-nous d'entrer davantage en communion avec toi et nos frères, par ton Fils qui vit en toi. Père, dans la communion de l'Esprit-Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.